Et yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Clairement, moi les gars, là je suis en folie. Voilà, tout simplement parce que j'ai reçu un colis ce matin en rentrant du taf que j'attendais depuis très 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 longtemps. Ce colis du coup fait partie de ce que je voulais changer avant la fin d'année dans mon setup. Donc ça y est, j'ai enfin tout reçu les gars. Un des premiers trucs que je voulais changer, c'était ça. C'était hop, le petit casque. Le DT770 Pro du coup qui m'a beaucoup été conseillé pendant ma vidéo setup. Et du coup il y avait un deuxième truc que je voulais changer et que du coup j'ai reçu. Je pense que vous avez à peu près réussi à voir ce que c'était sur la miniature. Donc les gars, clairement j'ai qu'une envie, c'est de tout monter là. En gros je vais vous laisser la vidéo pendant le montage et tout de cet objet. Je vous récupérerai à la fin, mais je vous récupérerai aussi peut-être en milieu, voir un peu l'avancement du coup de ce petit objet. Donc on verra, je verrai bien en fait au niveau du montage comment je vais faire tout ça. Bon, en tout cas, je vais vous montrer déjà la taille du colis, les gars. Et je pense déjà rien qu'avec le colis, vous allez voir ce que c'est. Déjà, voilà. Voilà le colis. Là, il est au sol. Il touche. Enfin, vous voyez déjà la cam. Voilà, les gars. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai reçu enfin mon petit siège personnalisé. Donc, je l'ai pas vu du coup, j'ai pas vu ce que ça donnait. Donc, du coup, je vais voir ça en même temps que vous, au montage. Donc, on verra du coup, je vais l'ouvrir et on verra exactement ce que ça va donner. Donc, voilà, allez, c'est parti la team. Du coup, on se retrouve tout à l'heure dès qu'il est monté. Mais avant tout ça, n'oubliez surtout pas, comme d'hab, l'abonnement à la chaîne, les gars, avec la cloche notif, c'est pas déjà fait. Et surtout, le gros pouce bleu des familles. Et c'est parti, let's go, on va monter tout ça! Du coup les gars, voilà le petit siège, toc, hop, le dossier. Et donc là du coup les gars, le truc principal, enfin la personnalisation en gros que j'avais avec ce dossier, c'est tout simplement un coussin du coup personnalisé à la chaîne, donc je vais vous le montrer. J'aurais pensé que le rendu aurait été quand même mieux, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Toc, donc voilà. Donc GZ Tony. Avec du coup le logo, l'aigle, je n'ai pas pu faire en fait le dégradé de couleur que je voulais. Tout simplement parce qu'il ne pouvait pas le faire en fait avec la couture. Mais donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vraiment. Merde là. Toc, voilà. Donc dites-moi en commentaire, dites-moi vos avis. N'hésitez surtout pas. Enfin moi je kiffe quand même, c'est juste énorme. C'est voilà, depuis le temps que je voulais ce petit objet. Donc mon siège personnalisé du coup avec mon logo de chaîne YouTube, mon pseudo, enfin voilà, c'est juste un grand kiff. Allez c'est parti, on continue. Donc du coup la team, comme vous pouvez le voir, tout est vraiment bien emballé, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est une sorte de support en ferraille, c'est vraiment très lourd. Et il y avait ça dessus, il y avait un truc en cuir pour pas abîmer le bout. Donc c'est vraiment, en tout cas ça a l'air d'être du très bon matos, donc on verra une fois que j'aurai monté tout ça. Donc du coup, on a un petit, en gros un petit livre de montage, un guide pour monter le siège, voilà. Donc je vais faire ça, je vais m'amuser. Plus qu'à suivre tout ça, et on verra du coup l'avancement. Thank you.
Bon, alors, du coup, les gars, j'ai été chercher des outils à moi. Clairement, ce sera beaucoup plus simple parce que leurs outils, ils sont pas terribles. Bon, du coup, la team, ça y est, c'est monté. Donc, il va falloir que j'essaye avec vous, du coup, enfin, que je le déballe entièrement. Je vais pas enlever les plastiques et tout encore. Donc, du coup, c'est parti, on va le faire ça ensemble. Alors, déjà, on va enlever, bon, ça vous voyez pas, mais c'est les petits, hop, sur les petits accoudoirs. Et hop, on va déballer ça, attention, petit moment ASMR en plus. Voilà, mon petit siège QWERTY, du coup, enfin je l'ai. Donc je vous fais un peu le tour. Toc. Juste énorme. C'est énorme. Là, il peut se balancer. Ok. Oh. Attends. Voilà, là je l'ai bloqué. Là. On va voir si ce qu'on est bien assis dedans, les gars. Ouais. Attendez. Voilà. Je peux même me balancer comme ça avec. Je peux me coucher, les gars, je peux m'allonger. C'est énorme. C'est juste énorme. Il se remet direct et tout en plus. Voilà, là, on voit par contre que c'est un siège. Un siège, les gars, où il y a de la qualité. Regardez, je peux m'allonger en live normal. Bon, du coup, il me reste une petite pièce du coup de ce petit siège. Donc, c'est ma pièce personnalisée à monter. Donc, c'est parti, je vais mettre de mon côté en premier pour voir. Comme ça, vous verrez pas. Ouais, voilà, ça doit être ça. Ouais, si, j'aime quand même bien, les gars. Attention, vous êtes prêts?
Voilà, avec la petite personnalisation du coup du siège. Toc. Donc c'est vraiment brodé, hein. C'est brodé du coup dans le coussin. Donc c'était un petit truc perso que j'ai pu faire. Donc attendez. Par contre, je trouve ça un peu gênant à cet endroit-là. Ou alors il se monte, je sais pas. Non, il se met vraiment comme ça. Alors attendez, j'essaie de trouver comment il se met en vrai. Ça doit être comme ça, mais il faut que je bloque ça là. Il arrête de se coucher le siège. Voilà. Là, je suis en mode bam, posé comme ça. Ah si, c'est bien les gars. Comme ça, je suis bien droit au moins là-dedans. Là, puis je peux être réactif. Non, voilà. Donc du coup, les gars, ça y est, je suis vraiment content en tout cas. Donc dites-moi sincèrement ce que vous pensez du coup du siège, de la personnalisation du coup que j'ai fait par rapport à ce siège. Bon, en tout cas, je suis vraiment content, c'est un kiff, ça me change vraiment de mon autre siège, enfin de mon ancien. C'est super confortable. Bon, certes, ça coûte assez cher quand même, mais c'est vraiment une très bonne marque. C'est franchement, j'ai rien à dire, c'est juste excellent. Le confort et tout, c'est un truc de ouf. Donc, du coup, bah ouais, si vous en voulez un, je vous le conseille. Donc, du coup, moi les gars, ça va être la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé. Dites-moi encore en commentaire du coup si vous aimez bien du coup la personnalisation du coussin, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez surtout pas du coup à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait, avec la cloche de notif du coup qui va avec, et la team le gros pouce bleu des familles. Et du coup moi je vous dis ciao, et on se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.